Chose promis, chose due, nous voici pour la suite de Pokémon version argent dans la base la Team Rocket de Akajou. Si je connais le mot de passe, peut-être, mais je ne le donnerai pas à un nul. Donc, rappelez-vous, hein, nous devons avoir deux mots de passe pour continuer la suite. Zvi Rocket va se battre. On voit Abou. Un Abou femelle, en plus. J'aime bien franchement le nouveau thème, enfin la nouvelle musique des combats de Team Rocket, j'aime bien, personnellement. Ortide. Ah voilà un bon Ortide, pas comme celui de la version jaune où Dark Chris avait joué là, qui était tout rouge. Voilà au moins un bon Ortide. Ah, Gravalanche, bientôt niveau 41. Ok, arrête, je vais parler. Lâche. Le mot de passe de la salle du chef est Curamolos, mais ça ne sert à rien sans les deux autres. Alors normalement c'est le deuxième, c'est Curatatak, si je dis pas de bêtises. Blesser des Pokémon pendant les expériences n'est pas un problème. Bande de salauds. Là c'est vraiment l'aspect même de la Team Rocket dans le manga. Bon alors j'ai pas vu encore le manga argent or. Je suis en train de lire le dernier tome de la version bleue, rouge et jaune. Oui, je sais, je suis en retard, hein, Redreda, mais voilà. Moi, je suis aux dernières pages du tome actuellement. Mais là, je suis en train de faire des vidéos, donc pour l'instant, j'ai mis le manga en pause. Bref, je ne vais pas revenir sur le manga non plus. Mais il est franchement bien, parce que ça change beaucoup du gentil Pokémon où c'est tout rose, tout mignon. Ça change vraiment, ça donne un aspect beaucoup plus dark, beaucoup plus foncé à un Pokémon, beaucoup plus mature aussi. Nyark nyark, tu me lances un défi, à moi, t'es fou ou t'es idiot, je vais te bouffer, nyark nyark. Bah toi, je te donne un des mots de passe pour la salle du chef. Bah voilà, hein, c'est d'ici gentiment, donc on va te battre pour avoir le deuxième mot de passe. Bon, en même temps, t'as un Ratatak, donc on se doute bien que le mot de passe, c'est un Curatatak. Force. Hop là. Ah bah non, je monte niveau 41, parfait. Bon par contre, je pense que je ferai. Ouh séisme, ça c'est bien ça. Je ferai quand même un peu de level up avant la ligue parce que sinon je risque de galérer. J'ai pas les mots de niveau 100 non plus, mais au moins dans les 50, faudra que je les monte avant la ligue. Parce que sinon ça va juste être assez chaud. Nyark, t'es bon toi. Ouais, je sais. Alors, trouve muscle plus, ça on s'en fout, y'a quoi de l'autre côté? Total soin. Ouais, bon tant pis. De toute façon on peut y retourner, hein. C'est pas ça le problème. Alors là c'est quoi? Antigel. Que des objets pour guérir les problèmes de statut. Pour l'instant, c'est pas ça que j'avais besoin. Ah oui, les électrodes, après il faudra aller. On n'y a rien à faire sur cet ordi, je pense que je pensais. Et après on devrait aller pour désactiver les électrodes. Dans ce moment où on peut les battre ou capturer les électrodes. Moi j'en capturerai un peut-être. Et les deux autres je les battrai. Un gamin? Bien. Désolé, je suis. Mais te briser, je dois. Toi, Yoda être, ou ancêtre de lui être. Birocket en bas, ratata. Merde, j'ai oublié de changer. Ah là là, c'est pas bien, c'est pas bien. Boostiflore, go. J'aimerais quand même bien avoir une pire plante pour faire évoluer Boostiflore. Ça serait pas mal d'avoir une pire plante en effet. Alors, là, Boostiflore vaincu, Ratata vaincu, je veux dire. Associé Nosferapti. On va faire un petit coup d'acide. C'est pas efficace, mais c'est pas grave, ça l'a tué quand même. Ça l'a mis Mikao, pardon. Perdu G. Perdu tu.
Donc j'ai juste changé de seconde. Alors, Boostiflor. Hop là. Alors la suite c'est par en bas, je vais juste voir ce qu'il y a en haut. Un objet. Qu'est-ce que c'est? CP46. Je sais pas ce que c'est, on va aller voir ça. Alors, CP46. Qu'est-ce que c'est? Larsin, ok. Bon, c'est pas mal. Ah ah, Silver. Je te l'avais dit que j'allais la casser la Team Rocket, non? Au fait, qui c'est le type avec la cape qui a plein de Pokémon dragons? Mes Pokémon s'en fait éclater. Mais c'est pas grave, je pourrais le battre dans pas longtemps. Ce qu'il a dit me perturbe. Il raconte que je n'aime ni ne respecte pas mes Pokémon. Tu le crois ça? Comment j'ai pu perdre face à un crétin pareil? Pff, vous me faites tous pitié. Tu viens juste pour me dire ça? Bon, rappelez-vous que Silver est le fils de Giovanni, hein. La porte est fermée, il faut deux mots de passe. Bah, je les ai. Oh merde, j'ai oublié de parler à l'autre. Oh putain, je suis trop con. Bon, désolé, hein, accélérateur, mais là, c'est pour gagner du temps. Oh putain, je suis vraiment débile. Niark, niark, le mot de passe, c'est que ratatac. Merci. Oh putain. Voilà. La porte est fermée, qu'ils avaient tapé deux mots de passe. La porte est ouverte. Tada! Yeah. Donc là, ça marche tout seul, hein. Quoi? Qui es-tu? C'est le bureau de notre chef vénéré, Giovanni. Depuis la dissolution de la team, il y a 3 ans, il s'entraîne à fond. Mais il reviendra prendre le pouvoir un jour, c'est sûr. C'est pourquoi nous sommes fidèles au poste. Je ne laisserai passer aucun intrus. Là, je crois que c'est le premier Kaid Rocket, je crois. Exactement. Kaid Rocket. On va... Non, c'est rapide. Bon, eux, ils sont un peu plus puissants quand même. Bon, c'est clair que je suis beaucoup plus puissant qu'eux. Mais si on enchaînait directement après le quatrième badge, c'était quand même une autre affaire, les Kaid. Mais bon. Alors, Kaid récapitulé, Ratatac. Alors, non, ton Ratatac ne fera pas long feu. Ouh, il a quand même résisté, bien joué. Acide. N'essaye pas de survivre, tu n'y arriveras pas. Hop là. Alors, le dernier c'est Smogo. Bon, je vais essayer de terminer au moins la base requête dans cette vidéo. Parce que j'aimerais pas non plus que ça traîne trop, hein. Oh, tu me saoules. Merci. Je commence trop fort. Giovanni, pitié, pardonne-moi. Je dois m'en remettre et je dois vite prévenir les autres. Il est bourré qu'il est tellement bourré qu'il se tape la gueule contre le mur. Cornèbre, le mot de passe est Vive Giovanni. Ça c'est pour la salle où il y avait les électrodes, hein. Ouais, normalement je dois pouvoir finir la base requête dans cette vidéo. Hop, ensuite là. Oh, il y a un objet, j'avais pas vu. Protéines. Ça me fait chier quand même de laisser ça là. Alors, défense plus. Voilà. Voilà, au moins je l'ai, je l'utiliserai plus tard. Voilà. Allez, on va finir cette base. La porte est fermée, qu'ils aient tapé le mot de passe, la porte est ouverte. Hop, 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 on bouge plus. On peut pas laisser une peste comme toi se balader, c'est la honte pour la Team Rocket. Et même si t'es fort, tu pourras pas nous avoir tous les deux. C'est bête, mais tiens-toi prêt à prendre cher. Et là, bim, Dragolos arrive encore. Hey, moi aussi je vais m'amuser, t'es perso. Quoi, tu avais un complice? Et ton sens de l'honneur, il est où, hein? Avec le remplaçant du boss, Giovanni, je vais te montrer qu'il faut pas venir se frotter à la Team Rocket. Donc normalement, c'est une Kaid Rocket cette fois. Une fille. Ouais, exactement. Kaid Rocket. On va se battre. On voit Arbok. Ouh, Arbok. La classe. J'adore Arbok.
Bah, franchement, je kiffe Arlok. Personnellement. C'est pas mon Pokémon préféré, mais je trouve qu'il a quand même la classe. Et c'est qui? Alors là, quoi encore? Ah, Cornèbre. Ouh, joli Cornèbre aussi. Ok, presque one shot. Dommage, Boustiflore, c'est pas grave. Ah, il fait mal, hein. Pour un petit coup de pic-pic. Il reste Ortide. Ortide A plus, normalement. Même pas. Bon, maintenant, ciao. Bon, au moins j'aurais fini la base Akajou pour cette vidéo. Enfin, presque. C'est vrai que t'es fort, ça craint. Si tu venais à la Team Rocket, tu deviendrais vite un caïd. Ah bah ouais. Cette cachette est fichue, mais c'est pas grave, l'opération radio est une totale réussite. On se fiche de cette cachette maintenant. On a d'autres plans. Tu vas vite comprendre la puissance de la Team Rocket. Amuse-toi tant qu'il est temps. Peter, merde, terminé. On a battu tous les gars de la Team Rocket du coin. Mais je m'inquiète à propos du jeune garçon que j'ai combattu. Désolé qu'ils aient été te débrouiller si bien que je n'ai pas voulu te déranger. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de couper le signal. Cette machine est la cause de tous les problèmes. Je ne vois pas d'interrupteur. Il n'y a qu'un moyen de mettre tous les électrodes au tapis. Cela devrait arrêter le signal diffusé par cette machine. Ce n'est pas la faute des Pokémon, mais ça me fait de la peine. Qu'ils aient divisé le travail. Bon, on va se faire les électrodes à l'accélérateur. Hein. Tant pis, je les capture pas. En fait, parce que bon, finalement, l'électrode, je m'en fous totalement. Bon, il a fait destruction, ok. Voilà. Cet étrange signal s'est enfin arrêté. Le live doit être normal à nouveau. Tu es un héros, je te remercie au nom de tous les Pokémon. Au fait, voilà pour toi. Je l'ai trouvé ici, mais moi, je n'en ai pas besoin. Et cela cesse. Siphon! Mais ces 6 ans, c'était ces siphons donnés à un Pokémon pour traverser les rapides, mais souviens-toi de ceci, tu peux l'utiliser à l'extérieur qu'en ayant le badge de l'arène d'Akajou. Kizae, devenir un jour maître Pokémon est difficile et prend du temps, alors vas-tu continuer? Je vois, tu as bien raison, il faut poursuivre ce beau rêve, mon ami, alors va, sois fort et garde la tête haute, c'est beau, on se reverra. Oh que oui. Bon, moi je vais regarder et arrêter cette vidéo ici, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo à la sortie. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces deux épisodes direct de Pokémon Argent. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Allez. Ciao, prenez soin de vous les gens.